Eh bien, salut à tous les vlogs et les vlogueuses, c'est Valou le vlogueur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir le base de combat saison 2 de Call of Duty Black Ops Cold War. On va le découvrir ensemble. Si la vidéo vous aura plu, bah, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est gratuit de toute façon, hein, vous savez. Juste un petit bouton appuyé et c'est bon. On va découvrir tout en même temps, les gars. Chef Woods au Vietnam. C'est pas censé être un méchant lui de base? Ah si. Il faut qu'elle lui donner les armes, mais je sais pas. Bizarre. Naga. Stitch, les rats sont là. On tient à de l'heure, il sera bientôt à Verdansk. Bien. Faites-leur croire qu'on se soucie des ravitaillements de Nova 6. Oh, elle est stylée, elle, par contre. C'est le moment. Prenez vos armes et faites gaffe. Oh ouais, minigun. Lourd. Sims. Il y a des skins qu'on connaît déjà. Des skins, des personnages du moins, des opérateurs, si on peut dire ça comme ça. Woods et Sims. Ah, il faut le sauver, punaise. Pour ceux qui n'ont pas vu le mode histoire, je vais pas vous spoil, mais il y a de l'air. Voilà quoi. C'est pas une personne que j'aime bien, moi. J'aime Hélène Park, Sims, Woods. Bah, les basiques, tu vois. On va peut-être découvrir le pass, les gars. Oula, mode zombie. The Outbreak Event. Je sais pas c'est quoi. Ah, c'est un petit événement. Un petit événement. Affronter l'heure des zombies dans Warzone. Ah, dans Warzone. Bon, il faudra que je le réinstalle. J'ai plus de place, moi, dans ma console. C'est triste, mais c'est la vérité. Ah, du coup, ouais, ils nous ont fait carrément des trucs à gagner. C'est stylé, hein. Bon, ouais, c'est des trucs basiques, hein. Mais c'est déjà ça quand même. Très rare qu'ils offrent des choses. Oh, la montre, par contre. On va le voir ça de plus près. Ether noir. Allez, belle. C'est des trucs que j'utiliserai tout le temps. Oula, casier des packs. Je me demande ce que c'est que ça. Perso des véhicules. Bah moi j'avais jamais perso des véhicules. Ah bah ça les pistes, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Faut que je remette tous les camos. Bah là ils sont déjà mis. Je sais pas pourquoi ils mettent ça alors. Bon, c'est pas grave. Hop, pas gratuit. Et le pass de combat. Bienvenue dans le pass de combat. Let's go. Comment ça marche? T'inquiète, on connaît. On y découvrira ça après. Alors, il y a un pack gratuit. Il y a 6... des nouveaux packs, ouais, c'est exact. Bon, c'est le pass, logique. Adler. Oh, j'ai pas envie de l'acheter. Je l'aime pas trop. C'est un peu pour ça. Une nouvelle arme? Est-ce que j'ai une machette? Moi, fois pas mal, ça je sais pas si c'est un nouveau. Oui, c'est un nouveau lui, je l'ai pas encore vu. Alors, lui, les gars, je vais pas vous mentir, mais il est stylé. Oh, par contre, oh, je kiffe.
Après ça là je pense que ça a été déjà. Ça aussi, ouais. Il y en a, ils me disent rien, franchement, celle-là, genre. Mais what? Burger Town? Le truc, c'est Burger King, les gars, regardez. What is this? Les fameux packs gratuits. Wesh, énorme! Carrément dans un pack gratuit! Et puis quoi encore? Mais c'est stylé en plus, les trucs. Ils ont mis ça dans un pack. Oh! Le Juggernaut! C'est le truc du mode zombie là. Ah, il est stylé! Et l'arme? C'est la M16. Ouais, ça va. Stylé quand même. C'est gratuit, les gars. Faut en profiter. Achat terminé. Pas mal l'achat. Hein. Franchement. C'est parfait. Après, on a quoi de beau debout? Bon, ouais, bon, ouais, je pense que ça m'a l'air bon. On va découvrir le pass de combat. Alors, ça commence avec qui? Avec une survivante. Ouh. Vipère. Elle est stylée par contre. Moi, je l'aime bien. Ah, c'est une apparence pour Park. Ah, ouais, en plus, je l'ai. Mais moi, je l'ai en rose. Oh, elle est stylée en vrai. Park comme ça. Et puis, on a Naga. Bon, on commence la phase de combat avec ceci. Une bannière, ah, elle est stylée par contre. Guerre du Vietnam. Ah, ça va pas mal. Une petite arme. Des CP. Hop. Oh, par contre, il est beau lui, le camouflage. Moi, j'aime bien. Et l'autre, c'est quoi? Quad. Pas mal aussi. Oh, un nouveau skin, je pense, non? Hunter. Il m'a l'air pas mal. Hop. Un truc basique. Oula, la Phara. Stylé. Une bannière qui bouge. Deux nagas. Une exécution. Allez, stylé. Ah, Adler. Une batteuse. CP. Le barrette. Stylé. Des camos pour le tank et pour le camion. Ouh, elle est belle. Ah, je l'aime bien. Il va trop bien dessus. Franchement, le poste de combat pour l'instant ça va. Je le trouve beau. Une petite montre. Des petites armes. Et là, on est encore dans les paliers 30. Gratuit. Pour ceux qui les ont pas vus, mais en mode zombie, cette voiture-là, y est. Maintenant, il y a un mode dans le mode zombie. J'y suis allé. C'est un mode zombie. Vous voyez GTA V ou en mode zombie, c'est un peu ça, de genre. Je veux dire un peu de genre Days Gone. En fait, tu te balades dans une map, on va dire ça comme ça. Puis tu fais ton truc normal. Oh, franchement, les thèmes de BO2, kiffant. Surtout celui-là là et celui-là. On connaît les deux premiers, hein. Les connaisseurs, les anciens, si on peut dire ça comme ça. Eh, je l'aime pas, je la trouve moche, mais par contre, son style là, il les va bien. Artiste, apparence pour Port Nova. Ça lui va bien. Une batteuse, je suis pas trop batteuse moi. Éclaireur, quand une batteuse, on dirait bien. Oh, dragon! Par contre, il est stylé, par contre, le truc. Il est gratuit en plus. Un Rubik's Cube. C'est quoi ça, en fait? Ah, c'est un autocollant. J'ai pas capté. C'est ça, un Baker. Le pass de Kobe se termine dans 55 jours. Ce qui est pas trop mal. Ah, c'est les nouveaux chiens. Les nouveaux zombies. Ils sont casse-couilles en plus. C'est des kamikazes les trucs. Je vous jure. Elle est stylée elle par contre. Apparence pour Power. J'aime bien son casque. Waouh, il est stylé. Principe du samouraï. Ah, il est beau. Ah, je kiffe.
Oh, il est magnifique. En or en plus. Ça vous avez, ouais. T'as même pas besoin de passer tes armes en or avec ça. Ensuite. Ils ont pas mis une musique. Il y a une musique que j'aime bien qui m'a trop kiffé dans Call of. Mais je sais pas si on va la mettre dans le pass de combat ou pas. En pompe, pas trop ouf. On arrive déjà à la fin du pass. Ça passe vite, hein. Guérilla. Ouais, ça passe. AK-47. Un petit porte-clé, la M16. Oula, attention, sniper. Ah ouais, c'est basique. Adhésif précision, c'est pas ouf. C'est basique, ouais, c'est cela. Ouh, c'est qui ça? Apparence pour Sang. Ah, elle est belle. Ah, je kiffe. Une belle montre. La forme de découpillage de grenades à gauche. Ça, c'est stylé, ça. Là, par contre, là, mon pote, c'est... Oh, j'ai vu un truc. Waouh, les gars. Ceux qui disent qu'il est pas beau, oh, je vous comprends pas. Il est juste magnifique. Oh, mais my god. Regardez-moi cette tuerie, les gars. Oh là 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 là. Ah ouais, il tue. Il tue. Ah, il tue. Franchement, on dirait trop la Galil en fait, un peu. Pour ceux qui sont joueurs de mode de Black Ops 2. Dans les anciens Call of, du moins. On dirait un peu la Galil. Ah, elle est stylée. Elle tue. Le camo, il tue. Waouh. Ah, je kiffe. Pas mal. Ouais, il est kiffant par contre. C'est donc ça le joueur, le skin, l'opérateur palier 100. Ouais, il est beau celui-là. Serpent Tsunami. C'est Naga. En version comme ça. On dirait genre un mec qui sort du temple, je sais pas quoi là, de la jungle. Je sais pas pourquoi je dis ça, un temple de la jungle. Je sais pas ce que je dis, les gars. Fléchette empoisonnée. Et qui aime ma foi. Ouais, il est stylé en vrai. Une traite golf. Il y a des nouvelles armes. Je crois que j'allais voir. Bon, bah, c'est déjà la fin du passé. Franchement, moi j'aime bien. On va regarder les opérateurs. Que j'ai cru voir qu'il y a des opérateurs. Genre Maxis. C'est qui ça? Elle. C'est sûr. Puis genre, il y a des skins qu'on avait. Ils sont. Punaise, c'est quoi ce délire? Jean-Louis. Zeynas. Ah, c'est la fille. Et en méchant. Naga. Pas mal. Franchement, je sais pas où est-ce qu'elle est, mais il y avait un skin que j'aimais bien. Je sais pas. Green class. Bon, les gars, j'ai fait avoir mes armes. Je joue plus solo en ce moment. Vous pouvez l'avoir là en or, la type 65. Et j'ai la DMR14 en or aussi. J'ai ces deux armes là en or, dans artilleur. Après là, je suis en train de faire ma M16 en or, regardez, hop, ces fusils là. Fusil tactique du moins, l'artilleur, je sais pas pourquoi je dis ça. J'ai celle-là en or, bientôt celle-là. Après celle-là à passer. Bon, niveau 32, niveau 12, niveau 2, niveau max. Et ensuite, je pourrais aller avoir ma DMR14 parce que c'est l'arme que je kiffe le plus dans ce jeu. J'aime trop jouer à ça, moi. Parce qu'il faut spammer, tu vois, avec le bouton R2 et pas rester appuyé pour que ça tire. J'aime bien. Après, on a rien de nouveau là-dedans. Ah, une nouvelle arme. La LC10. Ouais, ça va. Et la nouvelle arme, la Phara 83. Et on dirait trop la Galil, les gars. Elle aussi, on dirait trop la Galil, enfin la Krieg. La Krieg 6. Non, les Call of. Ça va, mais par contre, celle-là, j'ai l'impression qu'elle ressemble tellement à la Galil. Un truc de ouf. Et aussi, on va aller voir dans les secondaires ce que j'ai vu. Il y a la machette. Ou bah, le marteau, il était déjà. Le katana, moi je l'avais déjà. La machette. Gagner une médaille de poignard furtif. Bon, c'est un truc simple hein, pour les gagner. Une nouvelle pompe, moi j'ai toujours pas. Pas encore malheureusement. Spécial, il y a toujours rien.
Bon, je pense qu'il va y avoir un autre truc, je pense. Plus tard dans le jeu, je pense. Bon, là, il y a un nouveau. Pour ceux qui n'ont pas vu aussi dans les side points, Minigun, il a fait son apparition. Accessoires, bon, ça, c'est les montres. Perso, exécution, j'en ai check celle-là. Les deux là, mouvement. Casier du pack. C'est quoi? Pack gratuit. Ah, c'est tous les packs que j'ai en fait, ça. Si je comprends bien. Ouais, c'est tous les packs que j'ai. Ils ont carrément mis un truc dans le casier pour voir tous les packs qu'on a en fait. C'est pas mal ça. Bon bah, je pense, les gars, on va devoir faire ce qu'on a devoir à faire. Hein. Je sais pas ce que vous allez en penser, mais. On va devoir faire ce que je pense. Bon, bah. Acheter le pass des combats, bien sûr. Fin de l'événement, 14 jours. Ça, c'est la nouvelle map, le bateau skip, elle a l'air bien, je sais pas. J'ai pas encore trop vu. À la fin, on gagne quoi? Un petit pistolet? Le pistolet alpha. Ah, mais il est stylé, ma foi. Je trouve beau. Mais c'est un pseudo de Warzone. Moi, je suis pas trop Warzone. Ni sur Modern Warfare, je suis plus sur Cold War. Bon bah, les gars. Oups, je crois qu'il y en a, c'est le pass de combat. Bon bah, let's go, les gars. Maintenant, go faire le pass de combat, normal. Je l'ai pas encore débloqué. Ah non, je l'ai pas acheté là encore. J'ai appuyé dessus mais je l'ai pas acheté. Oh, je suis vraiment bête. Non mais vraiment. Là, je l'achète vraiment. Ah voilà. La cinétique, elle est un peu plus stylée. Ah voilà. On peut dire que je l'ai acheté. On débloque pas des trucs de ouf, mais c'est déjà ça. Récompense instantanée. Oh, j'ai cru que c'était un XP instantané, mais non, c'est juste les trucs qu'on débloque dès qu'on achète directement le pass. J'ai hâte de le traire de ce pass là, les gars. Moi, franchement, les trucs qui me plaisent. Moi perso, je veux dire tout ce qui me plaît dans le pass. Genre la survivante de Naga de Alien Park. Naga, je le trouve stylé. L'exécution, celle-là elle est pas mal aussi. La mitraillette alpha, la lag 10. Bah, ouais, j'aurais même pas besoin de faire le truc pour l'avoir. Faut directement. Je sais pas s'il y a des défis pour l'avoir, j'ai pas trop le temps de me voir. Ou sinon, il faut directement l'avoir dans le press. Ce skin là, c'est qui? Il est stylé. Stone, une apparence des stones. Qu'est-ce que j'aimerais trop avoir dans le pass? Celui-là il est pas mal. Oh, mais on s'en fout, je sais pas, je le joue pas, je le vois pas trop en plus. Elle, bon, ça va, elle en vrai. Il y a mieux. Lui là, le petit pack là, le camo, il est beau. J'ai dû en passer là, genre le sniper en or. Elle là, elle est pas mal par contre, je la kiffe. Oh, moi ça prend, j'ai trop hâte de l'avoir, les gars. Pas les 95 là. Aïe. Oh, as-tu l'arme? As-tu. Et bien sûr, aussi, celles-là, ils sont stylés aussi à ma foi. Moi j'aime bien, franchement, le pass de combat il est bien. Après, ils auraient pu mettre des nouveaux trucs. Hein. Genre les graffitis comme il y a sur Modern Warfare. Ça c'est bien, les petits graffitis. Je sais pas pourquoi ils les ont pas mis. Le sniper, je dois le passer, mais c'est pas grave. Bon, ce qui compte, c'est que j'ai eu le pass. C'est déjà ça, les gars. On va aller voir les nouveaux skins du coup que j'ai eu. Ouais. Attention. Donc, perso, pas mal. Moi, j'avais celui-là. Moi, j'aime bien jouer celui-là. Trublion. Je l'aime bien. Comme ça, elle est belle. Sur l'un d'autres, elle est belle. Par contre, pareil, moi, je vais avoir les autres. Hein. Et bien sûr, Naga.
Est-il un vrai? Mais d'accord, d'un sens, je me dis, ça se trouve, c'est une fille en vrai. Mais non, c'est un garçon. Bah alors, je vois pas pourquoi, du coup, le skin que j'aime bien, il vient de qui? Attends, je vais retourner voir dans le poste, les gars. Où est-ce qu'elle est? Voilà, la fin. Là. C'est le personnage de qui, ça? Apparence d'opérateur Sang. Y a pas de Sang. D'accord, les gars, elle est pas dans le pass. Ça, c'est ses apparences. Ok. C'est un garçon, c'est cela, ouais. Y a pas l'opérateur sans donc... Ah, c'est elle. Mais non. Ah ouais, les gars, c'est elle. Ouais, ça va alors. Je crois que c'est une française, elle. Non, c'est une coréenne. Je sais plus, mais on a un français, ouais. Ouais, ça va en vrai. Bon, c'était un skin qu'on avait déjà, mais je croyais que c'était un skin qui était nouveau, moi. Bon, après c'est déjà ça, les gars. Je sais pas qu'est-ce que je peux vous faire voir d'autre, les gars. Ah, jeu d'armes. Ah, ils ont mis le jeu d'armes, c'est pas mal ça. Apocalypse, c'est quoi? Mode chip, mode réapparition sur Apocalypse, inclus match à mort, pack domination, nanana. Lieu Apocalypse, date une nouvelle map. Nanana. Oh, bon, ça tout le monde connaît, j'ai pas besoin de lire en fait. Voilà quoi. On va faire juste un truc, les gars, on va lancer une partie personnalisée, on va voir sur des nouvelles maps. Narmada, Cartel, Checkmate, Crossroad, Carizon, Miami, Moscou, Satellite, Zepines. Pour l'instant c'est que des maps qu'on a déjà. Red Express. Et ça c'est les maps de mode chip. Les trucs là, on avait 2 VS2 ou 1 VS1. Bon, il n'y a pas de nouvelles maps, après ils vont peut-être arriver dans... Dans les prochains jeux à venir, je pense. Ouais, je pense aussi, c'est sûr et certain. Mais j'ai plus trop rien à vous faire voir, les gars. À part, je sais pas... Mon niveau. Temps de jeu, 1 jour et 13 heures. Ah, bon, ça va. Je suis Prestige 3, là, en ce moment même. Prestige 3, niveau 1. Attends, il se passe quoi là? Il m'a remis niveau 1. 150 Prestige 4, saison 1. Attends, c'est mieux ou c'est pas mieux du coup? Parce que niveau 50, je passe Prestige 4. Ah non, mais du coup, le maître Prestige, c'est. C'est Prestige 7, niveau 200. Ah, je me suis fait arnaquer un gros là. J'étais niveau 100 de base. 101, je m'en souviens. Avant... Non, 102, regardez, c'est marqué en bas. Prestige 3, 102. Ah ouais, du coup il faut recommencer le niveau. Non, j'espère pas. Attends, on va voir mes amis. J'avais un pote à moi, il était super chaud. Il était niveau 400. Je sais pas. Benjamin, lui... Son niveau, je sais pas, il a pas changé, lui. Bon après les gars, c'est pas grave. Hein. Qu'on recommence ou qu'on recommence pas, moi ça me dérange pas. Hein. Je vais pas vous mentir. Bon, moi les gars, je pense qu'on va se laisser sur ce. Hein. C'est la petite vidéo du présentation du pass et de toutes les nouveautés qu'il y a à y avoir sur... Cold War. Je bégaye là. Je sais pas, je suis perdu. J'espère que... Voilà quoi, ça vous a plu. Alors c'est quoi déjà? C'était Congrelation, la map que j'ai fait tout à l'heure? Roca, Alpine et Golva. Ouais, c'était cette map-là. Ce nouveau mode zombie-là, du moins. Bon. Ah, puis il y a des nouveaux trucs, non? Ah ouais, il y a des nouveaux trucs maintenant, un truc comme ça. Les ennemis spéciaux peuvent être transformés. Ah, pas mal, leur mode zombie aussi. Il y a des nouveaux trucs que j'avais même pas vu.
Ah, y'a un autre truc là, je suis pas fou, c'est quoi ça? Un autre feu, ça y était déjà, mais lui, il me dit rien, grade frénétique, je sais pas quoi. Moi, j'ai toujours pris celui-là de toute façon. Je vais pas vous mentir, les alliés gagnent mes cancers, tous les atouts. Moi, c'est pas mal ça. Et classe d'armes spéciale. Eh, hey, mais les gars, on est d'accord, c'est une arbalète. Je pense que la arbalète aussi, elle va faire son apparition dans le pass. Comme on a vu dans la cinématique tout à l'heure, il y avait une meuf à la. Bah, du moins, je crois que c'est, je sais pas, c'était qui qui avait. C'était qui comme skin, je le kiffais trop en plus. Il y avait une arbalète. Franchement, j'ai hâte qu'elle soit dans le jeu. Petite arbalète. Imagine, elle est déjà en mode zombie là. Non, il y est pas. Je pense que ça va être dans fusil spéciaux, je pense. Genre ici. Ah bah arrive, ouais, c'est sûr. Bah ouais, c'est ça. Bon, bah du coup, cette fois-ci, les gars, on va vraiment mettre fin. Fin à tout ça. Voilà, voilà. Hop. Bon, les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur la présentation des nouveautés et du pass de combat sur Cold War saison 2. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir pour moi et ça m'aide vraiment beaucoup. Et c'est gratuit, les gars, il suffit juste d'appuyer sur un bouton. Et moi, les gars, bah, je vous laisse sur ce. Je vous dis ciao pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye, les gars. Peace.